La liturgie orthodoxe est un univers riche en symboles et traditions. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir l'importance et le sens des vêtements liturgiques au sein de l'Église orthodoxe, où chaque détail est chargé de signification. Les vêtements liturgiques ne sont pas une nouveauté du christianisme, puisque nous avons déjà dans l'Ancien Testament le témoignage du fait que le culte au temple de Jérusalem, le culte hébreu, prévoyait des vêtements liturgiques. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 28, Dieu prescrit à Moïse, lui dit « Tu feras à Aaron des vêtements sacrés pour marquer son rang et sa dignité. » Donc on peut retenir trois choses, c'est qu'il y a des vêtements sacrés qui distinguent l'activité liturgique des activités profanes du monde de tous les jours. On retiendra également que c'est pour marquer son rang et sa dignité, c'est-à-dire que les vêtements liturgiques correspondent à un certain degré du sacerdoce. Dans le chapitre 28, donc du livre de l'Exode dans l'Ancien Testament, les prêtres du temple, les sacrificateurs, portaient sept vêtements qui sont décrits dans le livre. Il y avait d'abord une tunique faite de lin pur, nous dit le livre de l'Exode, sur laquelle le sacrificateur devait se ceindre d'une ceinture. Donc la ceinture est le deuxième élément qu'on rencontre déjà dans l'Ancien Testament. Mon âme se réjouira dans le Seigneur, car il m'a couvert d'un vêtement de salut et m'a revêtu d'une tunique d'allégresse. Comme un fiancé, il m'a orné d'un diadème, et comme une fiancée, il m'a paré de beauté. Sur cette tunique, le prêtre portait une robe avec des clochettes. La raison, nous explique le livre de l'Exode, c'était pour que lorsque Aaron rentrait dans le Saint des Saints une fois par an, où personne ne pouvait entrer, c'était pour qu'on entende que c'était lui et qu'il demeure vivant, nous dit le livre de l'Exode. Mais on retiendra le fait de mettre des clochettes aux vêtements. Sur cette robe, le prêtre portait l'éphad, qui était une sorte de tablier ou de cuirasse, et un pectoral avec 12 pierres qui signifiaient les 12 tribus de l'Ancien Testament. Et puis, sur sa tête, il portait un turban avec une couronne d'or. Donc, ce sont les sept éléments du vêtement du prêtre de l'Ancien Testament. Siméon de Thessalonique, qui est un des grands commentateurs byzantins de la liturgie orthodoxe au tournant du XVe siècle, lui aussi dira que l'évêque orthodoxe porte sept vêtements. Ce qui est aussi utile à retenir du livre de l'Exode, c'est que ces vêtements, essentiellement faits de lin pur, comportaient également des broderies à l'or. Donc l'or distingue la richesse de ces vêtements et le fait que ces vêtements sont utilisés pour une tâche très digne et très haute, celle d'offrir un culte à Dieu. Et on remarquera aussi que ces vêtements étaient teints de certaines couleurs. On mentionne les teintes de pourpre et de rouge, ainsi que le bleu. Donc on voit que ces vêtements sortent vraiment du quotidien. Ce sont des vêtements très riches et qui avaient donc un but sacré. Béni soit Dieu qui verse sa grâce sur ses prêtres, comme un baume répandu sur la tête, qui coule sur la barbe d'Aaron, et qui descend jusqu'à la frange de son vêtement.
Béni soit Dieu qui me ceint de force, il a rendu ma voix sans défaut, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me place dans les lieux élevés, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Les vêtements liturgiques sont essentiellement le signe de la grâce de Dieu. Et c'est ça qui est important, c'est qu'en fait, dans l'Église, on fonctionne par la grâce de Dieu, on fonctionne pas par une initiative humaine, par des bons sentiments, etc., qu'on pourrait avoir, ce serait très bien, mais la grâce de Dieu, c'est autre chose. Et c'est vrai, quand je porte l'étole, qu'est-ce que je fais? Je fais le signe de la croix, et j'embrasse la croix qui est ici, et je porte cette étole avec conscience, c'est-à-dire conscience, premièrement, que je suis prêtre par mandat de l'évêque. Ça m'autorise, disons, à dire certaines prières que je ne me permettrai pas de dire sans porter l'étole, parce que je veux avoir ce signe sur moi de la bénédiction de l'évêque, du mandat de l'évêque. Et ensuite, je pense que quand on parle de l'évêque, il faudrait savoir que l'évêque, ce n'est pas le chef de l'Église. Le chef de l'Église, c'est le Christ. Et par conséquent, ça veut dire que ce qu'on a dans l'Église, les signes, les icônes, les symboles, et les vêtements liturgiques en particulier, ce sont des signes visibles de la présence invisible du Christ. Nous sommes devant l'atelier de confection d'ornements liturgiques de la métropole roumaine à Limours, où les moniales fabriquent ces costumes qui habillent la foi orthodoxe. Notre métropole a créé cet atelier de couture afin de répondre aux besoins immédiats des paroisses relatifs aux ornements liturgiques utilisés pour la célébration. Il s'agit des revêtements ornementaux pour le Saint-Autel, mais aussi pour la table de proscomédie qui sert à la préparation des saintes offrandes, et encore d'ornements qui viennent revêtir tout ce qui est nécessaire dans l'église, le calice, la patène, les lutrins. Nous confectionnons également des ornements pour les célébrants, les ornements des évêques, des prêtres, des diacres, des acolytes qui servent dans le sanctuaire. La proximité de l'atelier avec les paroisses est très importante, afin que celles-ci ne soient pas obligées de s'approvisionner à l'étranger. Lorsque nous avons commencé à travailler dans l'atelier, nous avions déjà une bonne expérience de la couture et de la broderie, un certain savoir-faire, mais que nous avons beaucoup perfectionné au fil du temps. Nous utilisons des matières très diverses, aussi bien naturelles que synthétiques, soit des tissus déjà ornementés de tissage représentant différents motifs liturgiques, soit des tissus simples que nous brodons nous-mêmes avec différents motifs. Ces motifs sont alors dans un premier temps dessinés à la main, puis les modèles sont ensuite créés informatiquement à l'aide de logiciels complexes destinés à la broderie. Autrefois, tout se faisait à la main, mais l'élaboration des ornements liturgiques a beaucoup évolué ces 30 ou 40 dernières années, grâce à l'évolution des logiciels informatiques, puis à l'élaboration de nouvelles machines à broder plus performantes qu'auparavant. Les motifs de broderie que nous utilisons sont en premier lieu la croix, puis différents types de fleurs, des feuilles, par exemple la vigne, le blé, le lys, puis encore des motifs géométriques aux lignes droites ou courbes, qui sont également utilisés en iconographie. D'une manière générale, tout ce qui est représenté sur les ornements liturgiques doit avoir une portée symbolique. Ces vêtements liturgiques, qui sont toujours utilisés dans l'Église orthodoxe aujourd'hui, ont une longue histoire, sont le résultat d'une longue évolution, qui s'enracine dans les premiers siècles du christianisme, mais qui, bien sûr, a eu évolué au fil des siècles. Le style des ornements est resté le même. On s'aperçoit que les modèles diffèrent relativement peu par rapport au passé. Nous innovons à partir de la tradition et non pas d'une autre manière. La fabrication d'une mitre se fait en plusieurs étapes.
On prépare d'abord une pâte à base de plâtre qu'on va appliquer sur le moule. Le moule auparavant a été réglé en fonction du tour de tête de la personne pour qui est confectionnée la mitre. On applique une couche de cette pâte, puis une compresse et on renouvelle 6 fois l'opération. On laisse alors sécher durant quelques jours et ensuite on vient sortir la calotte du moule. Sur la calotte, on applique alors un tissu spécialement brodé, puis la doublure à l'intérieur, et on coud à la main les différentes pierres ornementales. À la fin, on fixe les icônes, et enfin, la croix. La mitre symbolise la couronne d'épines du Seigneur, que l'on voit à la base de la mitre. L'évêque prêche et vit l'évangile du Christ. C'est pour cela que son icône est représentée sur la mitre, avec celle de la Mère de Dieu, de Saint Jean-Baptiste et de la croix, ou parfois avec celle des 4 évangélistes. Ces vêtements liturgiques sont spécifiques à la célébration dans l'Église. C'est pour cela que la prière accompagne sans cesse le travail de création et de fabrication de ces ornements. Voilà. Nous avons préparé ici les vêtements liturgiques des 3 degrés du sacerdoce, celui du diacre, du prêtre et de l'évêque. Alors déjà, vous voyez que ce sont des vêtements avec des tissus riches. Si vous faites attention aux icônes byzantines, vous verrez que les teintes de rouge et de bleu sont toujours les couleurs dominantes sur les icônes byzantines. Et d'ailleurs, les vêtements liturgiques qui sont utilisés dans la célébration sont aussi les vêtements que l'on retrouve sur les représentations iconographiques pour les diacres, pour les prêtres, pour les évêques. Ce sont toujours les mêmes vêtements liturgiques que l'on trouve sur les icônes et qui sont portés de nos jours encore par les célébrants des offices. À Byzance, la couleur pourpre était la couleur impériale. Et c'était toujours la couleur, si vous voulez, festive pour les grandes fêtes de l'année liturgique avec le blanc. Sinon, pour la période du grand carême, pour les périodes de pénitence, on privilégiait des teintes beaucoup plus foncées, comme le mauve ou le violet. Alors, le diacre est un serviteur. Le terme diacre, diakonos en grec, signifie celui qui sert. Il assiste le prêtre ou l'évêque. Et donc la signification de ces vêtements va avec le service et le ministère de l'accompagnement ou d'assistance. Nous avons ici le premier vêtement qui est à la base de tous, qui est le sticharion, qui est une tunique. Je vais la retourner. Vous voyez, c'est un vêtement avec des manches très larges. Les commentateurs byzantins diront que le diacre est, comme il est proposé au service, il a les mains qui sont prêtes à servir. Donc, tel est le sens donc, du sticharion, un vêtement donc, très ample, qui est une tunique. De même, comme tous les clercs, il porte sur au-dessus de ses mains des surmanches qui soulignent le fait qu'il est préposé au service. Par-dessus, il porte une bandelette de tissu qu'on appelle l'orarion. L'orarion, en grec, signifie une écharpe. Mais parfois, on fait dériver le terme orarion du mot latin orare, qui signifie prier, puisque le diacre, durant la célébration liturgique, invite l'assemblée liturgique à la prière. L'orarion peut être porté simplement sur le côté, l'épaule gauche, comme ceci. Il peut entourer
le diacre, et parfois il peut être croisé. Le prêtre porte déjà des vêtements similaires. Il porte lui aussi un sticharion, mais comme il porte au-dessus du sticharion d'autres vêtements, le sticharion du prêtre est fait d'un tissu beaucoup plus léger et beaucoup plus simple, généralement de couleur blanche. L'aube, le terme aube vient du latin alba qui signifie blanc, hein, qui signifie aussi l'illumination par la grâce de Dieu. Et au lieu de l'orarion, il va porter ce qu'on appelle l'épitrachilion ou l'étole du prêtre. Le terme épitrachilion signifie porter autour du cou, puisque le prêtre porte l'étole autour de son cou. Le prêtre porte également des surmanches pour bien montrer que lui aussi, il est préposé au service. Ta droite, Seigneur, est glorifiée dans sa force. Ta droite, Seigneur, a écrasé les ennemis et par la splendeur de ta gloire, tu as broyé les adversaires. C'est le Christ qui agit à travers le prêtre ou l'évêque dans la célébration des mystères. Tes mains m'ont créé et elles m'ont façonné. Donne-moi l'intelligence et j'apprendrai tes commandements. À cela, une ceinture autour de la taille nous rappelle que le Christ, au moment du lavement des pieds, c'était lui aussi saint d'une ceinture. Le vêtement distinctif du prêtre est le phélonion, l'équivalent de la chasuble latine, qui à l'origine était un vêtement porté par les sénateurs romains, la penula, qui est un vêtement sans manches. Il n'y a qu'une ouverture pour le cou. Au fil des siècles, pour des raisons pratiques, on a coupé un peu le devant pour permettre aux prêtres de passer ses mains plus facilement lorsqu'ils devaient transporter le calice ou l'évangile ou faire des gestes. Mais sinon, c'est un vêtement cylindrique qui recouvre l'ensemble du corps pour bien montrer que les sacrements qui sont accomplis dans l'Église, ce ne sont pas des actions humaines, ce ne sont pas des choses que le prêtre accomplit de ses mains, mais plutôt quelque chose qui est accompli en Jésus-Christ à travers le mystère. L'évêque porte lui aussi un sticharion. Parfois, il y a des bandelettes de couleur mauve que l'on voit descendre, qui s'appellent les fleuves, qui font référence au passage de l'évangile de Saint Jean. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Hein ». On le remarque sur les icônes byzantines et sur certains sticharia d'évêques, pour bien signifier que tout le sacerdoce découle de l'évêque et donc de lui également découle l'enseignement orthodoxe. Sur ce sticharion, donc, l'évêque porte également l'épitrachilion, qui est l'équivalent de l'épitrachilion, exactement le même que l'épitrachilion du prêtre. Se ceint d'une ceinture, il porte des surmanches, donc jusqu'à présent il a tout en commun avec les vêtements du prêtre, et l'évêque porte, à la place du phélonion de nos jours, porte le sakkos.
Tes évêques, Seigneur, se revêtiront de justice et tes saints jubileront de joie en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Le sakkos est un vêtement distinctif pour l'évêque qui est apparu assez tardivement, probablement au début du deuxième millénaire. Dans les sources liturgiques d'avant le deuxième millénaire, l'évêque portait également le phélonion, comme tous les prêtres. Et si vous faites attention sur les icônes byzantines, beaucoup d'évêques sont représentés avec le phélonion. Au XIIe siècle, Théodore Balsamon, un grand canoniste byzantin, dit que le sakkos était un vêtement liturgique distinctif pour certains patriarches, puis pour certains archevêques majeurs qu'ils recevaient de l'empereur. Donc c'était, on pourrait dire, un vêtement d'origine impériale qui était accordé à des évêques de siège majeur. Puis, à partir du XIIIe siècle et au-delà, ce sakkos s'est généralisé à tous les évêques dans l'orthodoxie. L'évêque porte également l'épigonation. On peut se demander l'origine de ce losange. Epigonation veut dire au-dessus du genou, puisqu'il est porté au niveau du genou, comme un glaive spirituel, qui nous rappelle que le ministère de l'évêque dans l'Église n'est pas simplement d'ordonner les clercs, n'est pas simplement d'enseigner, mais il est aussi celui qui juge dans l'Église. Donc il a le charisme de juger. Et donc c'est le glaive du jugement spirituel. Également, symboliquement, l'épigonation nous rappelle la descente du Christ dans les enfers, qui montre justement la victoire du Christ sur le péché et sur la mort. Saint ton épée à la hanche au puissant, frappe, prospère et règne avec splendeur et majesté, par la vérité, la douceur et la justice. Sa droite te guidera merveilleusement en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. La dernière partie du vêtement épiscopal, qui est vraiment distinctif, c'est l'homophorion. En fait, c'est un vêtement qui s'inspire du loros impérial qui était porté par l'empereur byzantin et qui était le vêtement qui manifestait l'autorité impériale. L'homophorion à l'origine, qui est donc ce grand homophorion, est un vêtement qui englobe le corps. Vous voyez, c'est très compliqué. Il pend à l'avant, il est plié sur le devant, il pend par derrière, comme le loros impérial englobait le corps de l'empereur. En plus de symboliser l'autorité épiscopale, les commentateurs byzantins, Saint Siméon de Thessalonique par exemple, expliquent que puisqu'il englobe la chasuble ou le sakkos, l'homophorion symbolise l'incarnation, le fait que le Christ a vraiment pris sur lui, le Fils de Dieu en s'incarnant, a vraiment pris sur lui toute la chair humaine pour la sauver. Ce vêtement est assez complexe à porter, tant pour l'habillement que pendant la célébration, et donc par commodité, parfois les évêques dans l'Antiquité ne portaient pas. Il le portait simplement sur les épaules, ce qui a donné lieu à une version simplifiée du vêtement qu'on appelle le petit homophorion, qui lui n'est porté que sur les épaules de l'évêque. Il symbolise la brebis perdue et que le Christ, en tant que bon pasteur, vient chercher pour la ramener au bercail en la mettant sur ses épaules.
Ce pourquoi très souvent, encore aujourd'hui, les homophoria sont faits d'un tissu blanc. L'homophorion, l'épigonation, le saccos, l'épitrachilion, les surmanches, la ceinture et le sticharion, ce sont les sept vêtements que porte l'évêque, les sept vêtements sacerdotaux, par analogie aux sept vêtements que l'on trouvait dans l'Ancien Testament pour le grand prêtre. Sur tes épaules, ô Christ, tu as pris la nature égarée. Tu t'es élevé et l'as amené à Dieu le Père, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, dit le Seigneur, et prenne sa croix et me suive. Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Pour la célébration, l'évêque porte également la croix, puis également, il porte l'encolpion, ou la panagia, un pendentif qu'il porte sur sa poitrine et qui représente généralement la Vierge Marie, mais qui peut également représenter le Christ ou un saint, qui symbolise l'autorité épiscopale au sein de son Église. De nos jours, l'évêque porte, en plus de cela, il porte la mitre. La mitre a été introduite très tardivement dans la liturgie. On raconte qu'au tournant du XIe siècle, il y a eu un conflit entre l'empereur Basile II et le patriarche de Constantinople, Serge II le Studite. La raison était, on pourrait dire, l'ingérence de l'empereur dans les affaires ecclésiastiques. Et c'est Théophile II d'Alexandrie, patriarche d'Alexandrie, qui les a réconciliés, ce qui a donné depuis cette date le titre de juge de l'univers au patriarche d'Alexandrie. Et on raconte, la légende dit que pour remercier Théophile, le patriarche a donné un épitrachilion à Théophile et l'empereur Basile a donné une mitre. Et de là, le port de la mitre s'est répandu à tous les évêques au sein de l'Église orthodoxe à partir du XVIe, XVIIe siècle. Le Seigneur a mis sur toi une couronne de pierres précieuses. Tu lui as demandé la vie et il t'a accordé de longs jours, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Voilà un peu les différents vêtements liturgiques qui sont portés aujourd'hui encore dans la célébration par le clergé de l'Église orthodoxe et que l'on peut retrouver également représentés sur les icônes byzantines, de même que dans les miniatures des manuscrits byzantins.